Salut à tous, ravi de vous retrouver donc ici en Chine, à Shanghai. Après, il est vrai, quelques petits temps d'attente, mais c'est normal, j'étais en vacances pendant 3 semaines, donc c'est vrai que tourner des vidéos en vacances, c'est pas vraiment possible. Donc voilà pourquoi il y a eu un break entre la Malaisie et la Chine, sachant que j'avais dit que je tournerais les Grands Prix à une semaine d'intervalle. Donc nous revoilà en Chine pour la reprise de ce championnat, donc après 3 semaines d'arrêt. Et il est vrai, après un Grand Prix de Malaisie un peu décevant, hein, on va dire, car tout s'est joué dans les derniers tours. Nous voici en Chine, sur un circuit que je n'apprécie guère, que je n'ai jamais aimé d'ailleurs, parce qu'il est sûrement très technique aussi. Et on va voir mon tour de qualification qui m'a permis donc d'obtenir la pole sur le tracé de Shanghai. Donc un tracé, oui, que je vous dis qu'il ne me plaît guère. Donc avec ce premier virage, hein, où je sors d'ailleurs très large, je loupe totalement le point de corde. Et ce droite qui n'en finit plus, hein, presque un escargot avant de pivoter à gauche, les voitures qui ont tendance à décrocher à cet endroit-là, avant de réaccélérer, bien entendu, sur une toute petite ligne droite, hein, très légère, et avant de démarquer carrément sur un très gros freinage, sur un droite bien prononcé. Avant de réaccélérer, Shanghai qui est un circuit très technique qui ne pardonne quasiment pas le droit à l'erreur. Et là, cette portion qui fait penser au circuit malaisien, donc avec ce gauche suivi d'un droit 6-5-4 avant d'enchaîner sur un virage à gauche en troisième, très compliqué aussi à négocier ici. On monte un peu sur le vibreur en sortie et on replonge pour suivre cette nouvelle ligne droite et accéder donc à la dernière partie, au dernier secteur du tracé. Là, je loupe mon point de corde. Et là, ici, c'est vraiment un virage primordial, car la voiture, on sait, quand les pneus sont usés, ça devient très compliqué. Mais il faut se lancer le mieux possible dans cette ligne droite, sachant qu'avec un moteur Ferrari, par rapport au Mercedes, ça va être très compliqué, car on est dans la ligne droite sans doute la plus longue du championnat du monde, avec une zone de DRS en plus avant d'arriver sur un freinage monstrueux au panneau des 150. Avant de négocier cette épingle soit en 2, soit en 1, c'est vrai que c'est dur de se remettre à cette boîte 8 de ces nouveaux moteurs. Et finir avec ce dernier gauche, très dur à négocier aussi, car mis à part le repère, il n'y a pas grand chose d'autre. Mais un petit point, je ne saurais même pas vous dire comment je le passe, avec sûrement du rétrogradage et du freinage aussi. C'est un peu à chaque fois très difficile de le négocier. Donc voilà pour la course. Donc on sait très bien qu'ici, bien Mercedes, qui n'a pas gagné encore depuis le début de la saison, sera peut-être revancharde, et que le maître des lieux, c'est Lewis Hamilton, qui avec 4 victoires au compteur ici à Shanghai, surclasse quasiment tous ses adversaires. Il n'y a que Fernando Alonso avec 2 victoires derrière lui qui arrive à tenir la corde. Sinon, Vettel, Button, Raikkonen ont tous gagné qu'une fois sur le tracé chinois. Donc la grille, Lewis Hamilton qui partira 10e, hein, assez hallucinant. Maldonado, Rosberg aussi qui partira très loin sur la grille. Et on retrouve donc les deux Ferrari en première ligne. Alors il y a eu un gros trou pendant la qualification, alors qu'on voit ici la stratégie. Je vais vous expliquer donc voilà la stratégie à 3 arrêts, donc, hein, puisque c'est ce que l'équipe donc me proposait. Et donc c'est ce que je vais suivre, ça me semble pas mal du tout, et on verra après bien entendu en course, hein. Rien n'empêche de modifier tout ça, mais je pense que commencer avec 2 relais en pneus tendres et finir avec les durs, ça me semble pas mal. Donc on va essayer de faire durer un peu les gommes un maximum aussi, et voir si on peut jouer l'undercut. On verra comment ça se goupille. Alors là voilà, un excellent départ, hein. Pas de patinage quasiment, j'ai donné la bonne impulsion au bon moment. Et c'est ce qui m'a permis de prendre un très bon envol, notamment sur mon coéquipier qui s'est fait dépasser par Massa au départ. Et c'est vrai que mine de rien, après la ligne, c'est vrai qu'il y a pas mal de mètres à parcourir encore jusqu'au virage et au premier freinage. Et on voit ici que Raikkonen s'est fait absorber par Rosberg, alors que j'arrive à prendre un envol plutôt correct, mais vraiment sans plus. Et donc c'est ce qui s'est passé, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous le savez, la difficulté est bien entendu au maximum. Et j'ai eu des essais assez, bon, même si c'était une reprise, hein, parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je n'avais pas repris le volant. C'est vrai que j'ai fait des essais assez calamiteux, avec un temps de 1.41 au mieux, hein. Et du coup, l'IA qui a tourné très fort en 1.39, qui a chassé de très bons chronos. Et puis l'IA qui s'est totalement effondrée pendant la qualif, ce qui m'a permis, vous l'avez vu, de faire un temps à plus de 2 secondes de Raikkonen. Alors, il y a eu un sacré trou d'air. Alors après, pour la course, je ne sais pas comment ça va se passer, vous le verrez.
Moi, je le sais pour ma part, car vous le savez, je ne commente pas en même temps. Et puis, en plus de ça, vous le voyez, c'est une course de 50% pour la Chine. Et du coup, pour pas vous faire subir une vidéo d'une heure, j'ai raccourci tout ça et pour condenser un maximum. Et il y a eu énormément d'actions pendant cette course. Alors du coup, elle dure un peu moins d'une demi-heure, une petite demi-heure. Elle dure en la raccourcissant de moitié, car il y a eu beaucoup d'actions. Et on le voit, c'est vrai que par rapport aux précédents opus, c'est vrai que cet opus 2015 retranscrit magnifiquement bien une voiture chargée en essence par rapport à une voiture légère. Et ça se voit, je n'arrive absolument pas à conduire cette voiture. J'arrive pas à tenir les cordes à chaque fois, je suis large, je freine trop tôt. Et du coup, c'est Rosberg qui s'est débarrassé de Massa derrière, qui remonte très très fort. On le voit, et du coup, voilà pour ce tour, la fin de ce tour 2. Fin du tour 3, donc, ça va couper comme ça à chaque fois. Et Rosberg qui est déjà dans mes échappements, et là, ça devient très compliqué car je n'arrive pas à avoir du tout le rythme. Et on voit que j'avais un peu peur pour vous et notamment pour moi aussi, de faire une course en 50 et qu'il y a soit à la ramasse totale, et ça ne l'est pas. Rosberg, voilà, qui attaque très fort ici, et on se chamaille un peu, et Rosberg qui prend le meilleur sur moi, tout simplement, parce que je suis sorti vraiment très large de ce virage, du virage numéro 1, et avec un freinage un peu tardif, et la voiture qui m'a amené au large, et je n'ai pas pu tenir la corde, à proprement parler, et du coup c'est Rosberg qui a pris le meilleur sur moi, et on le voit, le pilote allemand qui se démarque rapidement, de suite, la Mercedes bien plus véloce que la Ferrari, notamment ça se ressent dans les réaccélérations également. Donc les Mercedes qui ont eu un trou d'air à la qualif, mais qui sont là. On voit qu'Hamilton est derrière moi et lui aussi est en train de revenir tout simplement parce que j'y suis pas du tout. Alors moi qui avais un peu peur de ça justement, de me dire que la course allait être très ennuyante et puis que pour vous aussi ça allait être vraiment un chemin de croix. Eh bien pas du tout, on voit que tout le monde a repris son rythme des essais, et donc du coup c'est très bon pour le suspense. Et donc on le voit clairement, donc il y a mon pilotage également, mais c'est vrai que voilà, vous le voyez, Rosberg à la vitesse où il s'échappe devant moi, c'est pas qu'une question de pilotage, c'est une question de moteur également. Pourtant j'ai le DRS, vous le voyez, mais ça n'y fait rien. Et donc on va finir ce tour 4 en deuxième position, et ça devient de plus en plus compliqué parce que derrière qui voilà. Eh bien c'est Lewis qui revient très fort aussi, la Mercedes qui a une vitesse de pointe hallucinante par rapport à la Ferrari, la Ferrari qui a une très bonne vitesse de pointe avec DRS, mais c'est vrai que sans DRS c'est le jour et la nuit avec la Mercedes. Et Lewis qui est dans mes échappements donc, et qui est donc à l'affût de la moindre erreur, et là patatras, nouvelle erreur de ma part, je pars complètement encore une fois au large, je loupe mon freinage, et eh bien je laisse la porte ouverte à Hamilton qui en profite pour passer. Et vu que je suis très bon dans le deuxième secteur, eh bien c'est là qu'il va falloir que je donne tout. Donc on va essayer de se remobiliser pour ce deuxième secteur, essayer de se concentrer un maximum. Les coms qui commencent quand même à s'user, vous l'avez vu, tour 6, alors que là j'attaque Hamilton dans l'intérieur. Je lui laisse un peu de place sur l'extérieur parce que la Mercedes réaccélère très fort, je ne le tasse pas. Et ici ça va être très chaud dans le virage, et sans le tasser, c'est lui qui se remet derrière moi. Donc j'arrive à repasser Lewis au terme d'une super manœuvre quand même. Et vous l'avez vu, donc un tour 6 pour le premier arrêt, et les gommes, voilà, ça commence à se faire sentir là. Déjà que c'est très compliqué avec la voiture lourde, alors avec bien entendu les gommes qui commencent à s'user, ça commence à être très compliqué. Pourtant j'ai réussi à faire vraiment une séance de qualification vraiment à la perfection, car à chaque fois je n'ai eu à effectuer qu'un tour, et c'était le bon tour à chaque fois, avec aucun loupé, et notamment un tour de Q2 relativement très propre qui m'a permis de passer en Q3 en 5e position, et avec une attaque très mitigée, parce que j'avais fait un tour en 1.40 exprès pour m'élancer, donc avec des gommes les plus neuves possibles. Et alors que là je loupe encore mon freinage, c'est assez incroyable, et ça fait beaucoup d'erreurs en ce début de course pour ma part. Et du coup, me voilà troisième. Et là, Lewis qui a repassé, encore une erreur ici. Et vraiment un début de course vraiment très compliqué pour moi, avec beaucoup d'erreurs. Une voiture très compliquée à mettre sur les rails. Et donc du coup, deux places de perdu. Et bon, ça qui est loin. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mis à part pour mon coéquipier peut-être, qui doit être sûrement derrière Massa. Mais je n'ai pas trop à craindre a priori les Williams, mis à part dans la ligne droite. C'est surtout avec les Mercedes et avec Raikkonen que ça va être très compliqué, alors que Rosberg a
carrément lui décroché, hein. Ça y est, il est parti, le pilote allemand, suivi de son compatriote britannique. Et du coup, pour nous, voilà, c'est une course, une deuxième course qui commence avec la fin de ce tour 6 donc. Et on appelle au stand donc, hein, box, box, box. Et donc c'est Hamilton qui effectue l'arrêt en même temps que moi devant, non, vous le voyez. Et donc c'est Rosberg qui n'est pas rentré et qui lui effectuera donc un tour de plus avec les gommes. Et d'ailleurs on va voir ce que Mercedes fait niveau stratégie. Est-ce que Mercedes va suivre notre stratégie ou est-ce qu'ils vont chausser les gommes dures pour ce premier relais. Donc Hamilton qui est toujours devant, j'ai pas réussi bien à voir ce qu'il avait comme gomme. Et c'est parti donc, tour 7, alors que des retardataires sont devant nous, quatrième position, c'est Hamilton qui est devant et qui bute sur Felipe Nasser, hein, pourtant la modeste Sauber avec le moteur Ferrari, et Hamilton qui n'arrive pas à s'en défaire des retardataires, là aussi un très bon point positif. Eh bien, c'est vrai que dans les précédents opus, on avait tendance à avoir des retardataires qui tout simplement se jetaient sur le côté et s'arrêtaient littéralement. Là, eh bien non, les retardataires font leur course. Hein. Vous le verrez après. Je dis de Nasser qui les retardataires. Alors que là, je tente une attaque à l'extérieur et avec les gommes neuves, c'est absolument parfait, ça passe. Même si là, ces nouveaux freinages à l'arrière, j'ai failli me mettre en travers. Mais c'est bon, hein, super manœuvre donc ici. C'est passé pour moi, même si je suis parti à l'extérieur, ça faillait vraiment être fatal. Tout va bien, alors que c'est Nico Rosberg qui est devant et qui du coup a un peu perdu de temps avec son arrêt un peu tardif sur Hamilton et moi-même. Et donc c'est vrai que Nasser, le retardataire, donc, qui doit être en gomme très usée, qui a retardé son arrêt au maximum, a bloqué Hamilton et j'en ai profité, donc vous avez vu. En termes d'une super manœuvre à l'extérieur, c'est rien à dire, hein, la voiture qui s'allège et puis les gommes qui sont un peu meilleures, eh bien ça va tout de suite mieux, on arrive à prendre mieux la corde et ça nous permet donc de reprendre une deuxième place qu'on avait perdu au détriment d'Hamilton tout à l'heure dans ce tour 8. Fin du tour 9, donc début du tour 10. Et Hamilton, donc vous le voyez, hein, tout le monde est dans les mêmes temps, hein, le trio de tête, hein, Rosberg, Vettel, Hamilton, qui se tient réellement, hein, on est en rythme assez effréné d'ailleurs, donc, puisque c'est à peu près, on tourne dans les 1.40 hein, quasiment, et donc ce tour 10 qui nous voit à peu près tous à peu près dans la seconde 5, et c'est Hamilton qui est revenu d'ailleurs dans mes échappements, il n'y a rien à dire, hein, dès qu'après... C'est vrai que dès que la Ferrari, dès que je joue d'une petite erreur, voilà, hein, comme vous le voyez, la ligne droite est vraiment le juge de paix ici en Chine. Et voilà, hein, dès qu'il y a une zone de DRS et tout ça, ça revient très fort. Alors que là, oulala, ça patine très fort. Et je viens toucher avec ma roue avant gauche le ponton de Lewis Hamilton. Et étonnamment, il n'y a rien qui casse. Et c'est vrai comme pas de pénalité pour moi, mais attention à une collision donc. J'ai évité hein, sans bloquer les roues, mais vous avez entendu que ça faillait être fatal. Si les roues se bloquaient, c'était la catastrophe entre nous. Alors que là, avec le DRS, j'arrive à prendre le meilleur sur Hamilton et on rentre dans l'escargot tous les deux. Je prends un peu large, le pilote anglais qui reprend l'intérieur, je reprends l'intérieur, on croise. J'ai le meilleur ici à droite, je repique à gauche et lui est quasiment mieux placé. Hein. Il a l'accélération de la Mercedes qui n'a absolument rien à voir avec celle de la Ferrari, même si vous le voyez, il patine un peu en sortie de virage. Je reste au contact de Lewis et c'est là que je vais jouer mon va-tout dans ce freinage ici. Et j'arrive à prendre le meilleur ici à l'intérieur sans trop tasser Lewis et ça passe. Super manœuvre encore une fois et je reprends vraiment le meilleur sur le pilote anglais. Mais une fois de plus, voilà, il y a ce troisième secteur qui pose énormément de problèmes à la Ferrari. Alors que là, on a déjà tapé dans le capital pneu comme il le fallait. Et du coup, ça va encore profiter à Lewis tout ça. Car je vais perdre énormément de temps et la réaccélération de la Ferrari n'est pas celle de la Mercedes. Et on se retrouve du coup au tour 13. Et Lewis qui est toujours derrière moi à l'affût. Vous le voyez, la petite flèche derrière et dans les rétroviseurs, le bolide gris. Et là encore une fois, ça touche. Alors là, c'est absolument incroyable car je n'ai absolument pas vu Lewis arriver. Et c'est vrai que je repique un peu fort vers l'intérieur et... Je ne sais pas qui est vraiment la faute, mais je ne l'ai pas vu, je le cherchais derrière et puis il a complètement disparu.
et on évite le drame encore une fois tous les deux. Donc c'est vraiment de la baston pure là. C'est vraiment 13 tours qu'on joue au chat et à la souris. Et qui profite vraiment de ça, eh bien c'est Rosberg hein, qui s'est littéralement envolé devant. Vous le voyez sur la minimap, hein, il a déjà pris une très très bonne avance. Et nous, eh bien, on subit une fois de plus hein, vraiment la dégradation des pneus de la Ferrari. Et donc une fois de plus, c'était très bon en début de relais. Et ça l'est moins en fin de relais. Donc vous le voyez, les gommes qui sont vraiment à l'agonie quasiment. Et dans ce tour 14, on va retarder l'échéance. On va essayer de retarder l'échéance par rapport, encore une fois, à notre tour d'arrêt. Et vraiment essayer de faire notre maximum pour essayer de grappiller des secondes, mais ça devient de plus en plus dur. Et d'ailleurs, Rosberg et Hamilton qui ne se sont toujours pas arrêtés. Et ça devient donc très compliqué. On va essayer de tenir le rythme un maximum, mais là, ça vient quasiment à l'orange dans ce 14e tour. Et on est donc quasiment... eh bien, nous sommes à mi-course. Mais à la fin de ce tour, nous serons à mi-course. Et une course déjà eh bien passionnante, hein, notamment pour vous, mais pour moi aussi. Avec, elle fait un peu transpirer. Et c'est ça qui est bon. Donc une course qui était censée être banale hein, au début, hein, je vous l'ai dit. J'avais un peu peur que l'IA soit tout simplement à la ramasse. Elle ne l'est pas. Deux très bonnes Mercedes donc ici, avec un Rosberg donc, qui a littéralement pris les devants rapidement, malgré un arrêt un peu tardif pour lui. Et puis, c'est la bataille avec Lewis et moi-même, alors que Raikko a priori repris la quatrième place. Je ne l'avais pas vu sur Felipe Massa. Donc une fois de plus, hein, là on se retrouve tous les deux dans la ligne droite. J'ai réussi à sortir un peu fort, sans trop patiner d'ailleurs, et j'arrive à garder le meilleur sur Lewis Hamilton dans la fin de ce tour 14. Mais que c'est dur à tenir. Ferrari qui a de plus en plus de mal. Et je vais rentrer au stand. On va tenter le tout pour le tout. Hein. Essayer de se défaire de Lewis rapidement. Et il m'a suivi, il me semble. Non, il ne m'a pas suivi. Il a tout simplement, lui aussi, retardé son arrêt. Donc c'est reparti, une sortie des stands assez propre. Et là, il va falloir, dans ce tour 15, eh bien, essayer de faire une très très bonne sortie. Alors que, bien, vous le voyez devant, hein, on revient déjà sur Rosberg avec un meilleur secteur dans le premier secteur, donc record du premier secteur pour moi. Et donc, eh bien là, ça y est, hein, cette deuxième vague d'arrêt avec donc cette nouvelle chose de pneus tendres est très très bonne pour moi. Elle me permet vraiment de tirer la quintessence dans la voiture. Et là, vraiment, une voiture qui s'allège, les kilos d'essence qui vraiment diminuent au fil des tours. Et je retrouve vraiment la voiture que j'avais en qualif, c'est-à-dire une Ferrari vraiment très vive et très costaud. Alors pour ma part, pour tout vous dire, je n'ai jamais fait de course en 50% sur n'importe quel F1, quel qu'il soit. Donc c'est vraiment une première pour moi. Et donc c'est pour ça que peut-être que ce style de conduite est différent aussi, parce que c'est vrai qu'en 25% on a beaucoup moins de sensations de réalité par rapport à un 50. Et c'est vrai que bien, pour ma part, d'après une première, je trouve ça absolument magnifique. Et j'ai vécu vraiment une course passionnante, alors qu'ici je mords un peu le virage. Je tiens à vous rassurer, hein, tout est à fond, hein, alors que voilà, meilleur tour pour moi. Et donc du coup, je tiens à vous rassurer, tout est à fond, hein, j'ai tout activé, les drapeaux, les pénalités, tout ça, car vous avez pu sûrement derrière votre ordinateur ou téléviseur tout à l'heure voir que la manœuvre avec Hamilton était restée impunie, mais oui, non, tout est activé, même les dégâts, donc hein, c'est vrai qu'on a assez tapé hein, pendant ce début de Grand Prix et il s'est rien passé, mais je vous rassure, tout est ok, il n'y a aucune aide hein, dans le jeu, tout est désactivé. Et là, j'arrive à vraiment revenir sur Rosberg vraiment très fort, hein, la Ferrari qui donc j'arrive à tout extraire. Et donc pour ce tour 18-19 entre les retardataires donc. 19e tour sur 18, alors qu'on prend un tour à Pastor Maldonado et je suis dans les échappements de Nico Rosberg. C'est Lewis Hamilton hein, qui est totalement dépassé lui, hein, qui n'est totalement plus dans la course. Alors qu'ici je tente une attaque en vain, qui ne fonctionne pas. Sur Rosberg.
tour 20 et toujours le même écart entre Rosberg et moi. Et là, clairement, ça y est, j'ai passé sûrement la limite pour dépasser Rosberg. Et alors que là, il est encore gêné une fois par Verstappen et je vais tenter ma chance. À l'intérieur, Verstappen qui a bloqué Rosberg et je ne sais pas trop ce qu'a fait le pilote allemand là, mais il est resté coincé totalement derrière lui et il a perdu très gros dans cette manœuvre puisque j'arrive tout simplement à lui reprendre P1. Je ne sais pas comment c'est possible tout ça, sachant que le Grand Prix était vraiment très très mal embarqué pour moi à partir du 6ème tour. Et grâce à de très bons relais, donc notamment dans le dernier relais, j'arrive à prendre le meilleur et reprendre la place qui était la mienne. Alors qu'on voit que Rosberg est à l'affût derrière. Et encore une fois, ça va être très compliqué à défendre. Je ne défends même pas la Mercedes qui... Voilà, hein, rien à dire là-dessus. Je me suis un peu ralenti dans le dernier secteur et sorti un peu mal. Et du coup, ça a profité à Rosberg. Alors que là, j'évite encore l'accident comme avec Hamilton tout à l'heure. Et je donne le coup de volant qu'il faut au dernier moment. Pas du tout la même trajectoire pour nous deux. Alors qu'arrive la dernière vague d'arrêt au stand pour chausser les pneus durs. Et bien là, ça va être le bouquet final. La dernière confrontation, l'affrontement final avec Rosberg, puisqu'Hamilton est a priori hors course, puisque c'est Raikkonen qui est derrière. Et donc, on va chausser les pneus durs pour la dernière partie de cette course absolument passionnante. Et on va aller à la chasse au Rosberg le plus rapidement possible, essayer de mettre les gommes en température. Pour tout vous dire, le 50% je n'en ai pas l'habitude, donc je n'ose même pas passer un mélange riche ou pauvre de peur d'être juste à l'arrivée, parce que je conduis un peu comme un cochon depuis tout à l'heure et je suis pas du tout à l'économie d'essence, alors que Rosberg a l'air mal à l'aise ici. Je ne sais pas ce qui se passe, il n'est pas au top de sa forme ou alors étrange, alors que là je manque de le percuter, il est complètement à l'agonie on dirait. On dirait qu'il a du mal à mettre ses gommes en température et je suis totalement à l'aspiration derrière lui. Et ici, au panneau des 100 mètres, je ne fais qu'une bouchée de lui. C'est assez hallucinant. Rosberg qui a eu beaucoup de mal à sortir des stands avec les pneus neufs. Et donc, ben, tout est bon pour ma part. J'arrive à prendre le meilleur sur lui. Et donc récupérer P1 au terme de la sortie au stand. Excellente manœuvre donc. Et donc, ben, très bien, hein, on récupère donc P1, hein, moi qui pensais que ça allait être un Grand Prix bien assez frustrant comme la dernière fois, en ayant signé une pole position et puis bien rien derrière. Et bien voilà, tout est bien presque qui finit bien, je récupère P1 et puis là, ben, il n'y a plus personne derrière, vous voyez, car Rosberg a tout simplement dégringolé, il a dû avoir sûrement un problème mécanique ou une crevaison, j'en sais rien. Et donc c'est Hamilton qui récupère P2. Et puis Raikkonen qui récupère P3. Donc c'est vraiment tout bénef pour la Scuderia Ferrari qui donc place deux pilotes sur le podium. Et c'est ce qui aurait dû se passer la dernière fois avec un doublé. Donc Raikko et moi-même, mis à part ma bourde dans la dernière ligne droite du Grand Prix. Et bien là, tout est bon. Hein, tout semble être sur des bons rails pour que ça finisse bien ce coup-ci. La Ferrari qui semble aller au bout. Donc alors que là, les kilos d'essence ont l'air très bons a priori. Et donc, bien pour moi-même, je vais m'envoler vers la victoire. Hamilton est très loin derrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé aussi avec Lewis, qui a eu une chute assez incroyable de performance. Hein, car, a priori, j'ai 8 secondes d'avance sur lui. Et donc, ça me permet de finir vraiment très sereinement ce Grand Prix qui fut éprouvant hein, en première partie, à peu près jusqu'à ce dernier arrêt. Donc, hein, et puis, la dernière vague de pneus tendres hein, qui m'a permis vraiment de m'envoler vers la victoire et de retrouver un Nico Rosberg qui s'était pourtant très bien envolé. Alors, je pense aussi, c'est peut-être une question de performance, je ne sais pas si le jeu encore s'est effondré comme à la qualif, ou si c'est tout simplement l'IA hein, dans sa course hein, qui est comme ça, ou si c'est moi qui ai fait un très bon troisième relais d'ailleurs. Donc du coup, j'en sais rien. Tant que la victoire est au bout, tout va bien. On va boucler donc ce dernier tour ensemble et amener donc Sébastien Vettel à la victoire au terme d'une course absolument fantastique. Donc j'en espérais pas tant également pour vous. J'avais un peu peur dans ce début de Grand Prix et puis voilà, à la fin ça accouche d'une superbe course avec beaucoup d'action, beaucoup de bagarres, puisque nous aurons eu, je ne sais pas si Hamilton a pris, non il me semble pas, je crois pas qu'Hamilton ait pris
P1 à un moment, il me semble que c'est Rosberg hein, qui a gardé le capital avec moi. Et donc voilà, dernier virage, très bien négocié, et ça en est terminé donc pour ce Grand Prix de Chine, victoire de Ferrari et de Sébastien Vettel autour d'une course donc palpitante. Et donc on va voir immédiatement donc ce qui s'est passé. Vettel donc hein, rien à dire hein, P1 derrière Lewis Hamilton hein, qui a fait une course carrément pas mal du tout car il est parti 10e. Il y a Raikkonen qui est bien remonté aussi mais qui a perdu une place finalement à la fin. Bottas, Ricciardo, Hülkenberg, Massa, Nasser, Grosjean, Sainz, voilà. C'est Rosberg hein, qui a perdu gros hein, qui termine 6e. Il a eu c'est vrai que le pilote allemand a dû avoir sûrement un souci et puis encore la déception c'est bien entendu encore Daniel Kiat qui est encore très très loin, le jeune pilote de chez Red Bull là qui a encore perdu gros ce week-end. Et c'est la très bonne place de Will Stevens qui finit 15e donc au championnat du monde. Donc bien Vettel qui ça y est hein, quasiment a quasiment fait le break avec Raikkonen derrière, suivi de Lewis Hamilton, de Bottas et de Nico Rosberg, voilà pour le top 5, suivi de Ricciardo, Massa, Nasser, Grosjean et Carlos Sainz qui donc voilà pour ce top 10. Et en queue hein, comme je disais hein, Kiat hein, qui malgré une bonne voiture et les bonnes performances de son coéquipier n'est pas à la hauteur au championnat des constructeurs. Ferrari est toujours en tête, Mercedes a repris la deuxième place à Williams et Red Bull est quatrième et Sauber 5e, voilà pour le top 5. Donc moi je vous dis à très vite donc à Bahreïn pour la course la semaine prochaine en espérant qu'elle soit tout aussi passionnante. En attendant, portez-vous bien, très bonne semaine. Allez, salut à tous.